Regardez l'espoir, il va voir. Il n'a pas encore eu quoi. Donc, c'était mal. Mais tu as mal à ta haute, mal à ta haute. Quand il venait voir le papa Florian, vraiment, j'avais toutes les difficultés. Je ne peux pas parler à quelqu'un. Je viens parler à papa. Mets la serviette sur ma tête. Attends. D'accord, j'ai l'espoir. Jusqu'à. Pour donner même 100 francs, je ne gagne pas. Pour aller, pour venir à Sipemissile, deux fois, c'est ma camarade qui paye. Et comme ça, je suis couché tous les jours en train de prier et pleurer. J'ai des enfants. Mon mari est mort. Ils vont manger quoi? Ma fille, je n'arrive pas à payer un livre même pour lui, pour elle. Et c'est comme ça. J'étais là pour prier, prier, prier. Un matin, j'étais couché. Mon portable sonne. Il décroche, une femme qui m'appelle. Moi, c'est tu es où? Je suis couché à la maison. Tu fais quoi? Je fais rien. Parce que mon mari a été cassé. Plein de dettes, voulu tout des trucs qu'il faut, 1 million de temps, tout est parti. Je n'ai rien. Donc, elle m'a appelé, elle dit, je ne fais rien. Elle dit, tu peux me trouver chez moi. Vous savez, j'avais que 250. Comment il est fait pour arriver chez elle? Hey, elle dit à ma fille, 250, on prend pour manger. On fait comment pour partir? Elle dit, maman, il faut aller, puis tu as devant l'argent. J'ai dit, toi-même, deux fois, ça chauffe, j'ai dit, va au marché. Pour dire à moi, tu te donnes le lit, on peut mettre le bas de Tchahon, tu n'as pas. C'est moi, il y a qu'à l'épargne. Et je l'ai appelé, j'ai dit, ma soeur, tu peux venir me chercher chez moi à la maison. Elle a compris. Elle est venue. Je lui ai pas dit qu'il n'y a pas l'argent. Elle est venue. Elle dit, ah, il y a une dame qui cherche quelqu'un. Mais quand elle m'a parlé net, j'ai pensé à toi. Oh, ça fait combien de temps on ne s'est pas vu? Mais j'ai pensé à toi. Donc, allons. Puis on est parti. Arrivé là-bas, la dame m'a vu. Elle dit, ma soeur, tu peux tenir. J'ai dit, je peux. Je n'ai pas dit à ma camarade que je n'ai pas l'argent pour me retourner. Elle dit, elle s'en va quelqu'un. Elle dit, et dans mon corps là-bas, j'ai dit, elle est partie. Et c'est comme ça. La dame m'a dit, ah, on m'a envoyé 4 personnes. Mais j'étais vu. Les 4 personnes, je n'ai plus leur numéro. Il dit, je vais les rappeler. Mais toi, c'est toi que je prends. Amen. Les 4 personnes, je ne peux plus les prendre. J'ai dit, d'accord, tu es en train de faire quelque chose. Je dis, papa, reviens. Quand il venait, il t'a appelé d'elle. Je crois que tu es derrière moi. Elle enlève 5 000 et me donne. Paye ton transport. Il dit, Seigneur, on va manger aujourd'hui. On dit, ce transport, on va te manger. Je ne sais pas faire ça. Le lendemain matin, elle m'appelle. Elle dit, viens. Je m'en vais chez elle encore. On a eu à causer un peu. Elle me donne encore 10 000. Elle dit, il faut garder. Elle dit, mais madame, transport qu'elle va pour rien, c'est 600. Allez, le tout, c'est 600. Elle dit, non, prends, ça, c'est rien, ça. Elle dit, j'ai pris l'argent. Je suis venu. Elle m'a demandé. Tu commences quand? Il dit, madame, okay. J'arrive pour commencer le travail. Elle me dit, je me paye 45 000. Et, transport, tout ça, les détails du oui. Dieu ne va pas faire rien. Je sais que tu as commencé, tu vas l'achever. Et c'est comme ça, je suis venu. Il dit, madame, je vais faire. Elle dit, ça t'arrange, je vais faire. Elle me dit que l'argent n'est pas. Mais elle me pose la question, ça t'arrange. Elle dit, ça m'arrange. Ça m'arrange. Et je suis venu. J'ai commencé le travail. J'ai commencé le travail. Dans 2 semaines, elle dit, je te paye 80 000. Amen. J'ai commencé le travail. Elle m'appelle. Elle dit, tu es la responsable d'ici. Tu es tout le monde. Tu es la responsable.
espace, le Seigneur. Espace, c'est pas un petit espace, c'est large, grand. De 60 personnes, je suis la responsable de toutes ces 60 personnes. Et c'est moi qui rue toute la parole et ceux qui veulent du travail. Et pas mal de choses. Avant-hier, ma peine. Après ça, il a envoyé un garçon musulman derrière moi. Elle a commencé les conflits. Bah, tout ce qu'on demande, il faut passer par moi avant que je demande la dame pour me donner. Et le gars, il passe derrière moi, il demande à la femme. Et la femme m'appelle, ma sœur, c'est comment? Et puis c'est celui-là qui vient me demander. Nous deux, en fait, je parle, il dit, Dieu ne va pas faire rien. Lui, là, il n'est pas venu pour faire mon affaire. Il n'est pas venu pour faire mon affaire parce que lui connaît le travail mieux que moi. Moi, le travail, je n'ai jamais fait. Lui, c'est son travail. Moi, ce n'est pas ma domaine. Mais on m'a mis là comme ça parce que c'est un Dieu qui m'a envoyé là. Amen. Et c'est comme ça, un matin, c'est là, il dit, moi, ma sœur, moi, je travaille pour Jésus. Ah, et c'est celui qui t'a chassé. Il fait exprès, il dit, mais pourquoi? Elle dit, non, tu as été gentil à moi, ma mère. Mais moi, j'ai dit, il était busy. Il dit, mon frère, le feu. Je prends mon assiette, je sais pour demander à manger mes dons. Je leur dis merci. Dieu va les combler. Dieu va les remplir. Tout ce qu'ils m'ont donné au statut. Avant-hier, elle m'appelle à midi. Elle dit, madame, ma sœur, sortons. Mais madame, on va où? On s'en fait les achats. Je dis, d'accord. On arrive dans un grand magasin midi. Tu m'as dit que tu n'as pas de télévision. Je dis, il n'y en a pas. Elle dit, choisis. Je prends un petit truc. Elle dit non, ça ne m'arrange pas. Elle dit ça. Et grand placement. Passé, elle m'appelle, elle dit, elle a augmenté mon salaire.